Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Huyền. Hãy cùng mình luyện tập tiếng Pháp qua mùa hè ở Montreal nhé. Pendant la bonne nuit, qu'est-ce que tu as fait? Oh, moi, je suis resté à la maison. Quand je sortais à l'intérieur ou dehors, je portais le masque. Et aujourd'hui, je voudrais vous présenter l'été à Montréal. À partir! L'été à Montréal! Je suis allé au parc Maisonneuve pour profiter l'air frais d'été. Je suis pas si l'air de mon quartier. Il y a beaucoup de gens qui vivent souvent ici pour faire du vélo, faire du yoga, faire de la ceci ou marcher. Et moi, aujourd'hui, je me promène. Ensuite, je vais faire le coup à pied. Et enfin, je vais faire la ceci. Ok, allons-y! En été, il y a certainement beaucoup d'activités pour profiter du beau temps. Les gens se reposent pendant la belle journée. Organiser un pique-nique en plein air. Et voilà, c'est la pique-nique des arbres ou les ailes. Ils font du vélo. Il fait du roller. Il fait de la trottinette électrique. Il fait du skateboard. Aujourd'hui, je me promène au parc. Il promène son chien. Le chien. Ils font du jogging. Ils font du yoga. Profitez du soleil. Ils pêchent. Ils font une excursion en bateau. La piscine dans un après-midi d'été. Les bateaux amarrés au bord de la fleuve. Ils mangent à la terrasse du restaurant. Pendant cette saison, il fait assez confortable. En général, il fait beau. Mais quelques jours, la température est élevée, donc la chaleur est très forte. Puis, il fait très chaud. Pour mieux performer, il faut que vous soyez vraiment bien hydraté, vous vivez régulièrement de l'eau. Et moi, j'aimerais boire un thé au beurre ou manger de la crème glacée. Vậy là chúng ta đã gần như kết thúc video này. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình. Hy vọng rằng mình có thể giúp ích được cho các bạn trong quá trình học tiếng Pháp. Và đừng quên subscribe kênh của mình để nhận được thông báo video mới nhất nhé. Cảm ơn các bạn. I love Roshan.